Quand on commence le badminton, la première chose que l'on souhaite réussir, c'est sa première frappe, et donc le service. Pas facile, hein? Alors imaginez en fauteuil. Bonjour à tous, c'est encore Loris, et c'est encore un tuto parabad. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la première frappe, le service. Relâcher serré, le timing, la position, vous allez voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec les joueurs valides. Sauf que, je vous laisse découvrir ça avec moi. Allez, venez. Donc, il est possible en fauteuil du coup de servir en revers ou en coup droit. Okay ? Quand tu vas être en position de revers, forcément, ça va être plus facile d'aller chercher des services courts en étant précis, mais un peu plus de difficulté à aller chercher des services longs. Okay, et c'est un peu l'inverse sur le service coup droit. Du coup, c'est plus facile d'aller chercher les services longs, mais un petit peu plus difficile d'aller chercher les services courts et d'être précis. Okay. Du coup, si tu proposes service en revers pour commencer, toujours le tamis en dessous du grip. Okay. On est à peu près au niveau du plexus en hauteur. Voilà, c'est parfait. On essaie d'aller chercher au maximum devant soi. Très bien. Voilà, parfait. Geste un petit peu plus petit, un petit peu plus de contrôle. Voilà, tout petit peu plus fort. Ok. Avec, si on peut, une variation entre gauche et droite. Très bien. Et si tu essayes du coup le service long, avec le plus de relâché possible, on utilise bien le pouce. Voilà, très bien celui-là. Il est parfait. Le tamis bien en dessous du grip. Ok, on relâche bien au niveau de la main. On essaie d'aller chercher le plus devant soi. Pour avoir le plus d'élan possible. Voilà. Le tamis un petit peu plus vers le haut. Très bien. Donc le plus facile sur le service coup droit, c'est d'aller chercher donc sur le côté. Okay, c'est très difficile de servir devant les genoux, donc on va essayer d'aller chercher quand même sur le côté avec un lancer de volant un peu plus sur le côté pour donner l'élan du service. Voilà, parfait. Donc on va bien chercher sur le côté. Okay, on met un peu d'élan vers l'arrière et après on finit bien juste avec l'avant-bras pour être le plus précis. Parfait. Un peu de service court. Donc le but, c'est quand même de donner quand même pas mal d'élan au départ. Je donne de l'élan et puis en fait je contrôle la trajectoire. Mais comme sur le service long, ouais, tu peux donner un petit peu d'élan et après tu contrôles le volant. Il faut essayer d'aller chercher la trajectoire la plus basse possible, ouais, pour pas que ce soit attaquable. Bah, tu peux monter, hein. Tu peux aller chercher un service encore un peu plus haut. Parfait, très bien ça. Vous entendez les volants qui claquent? Ça y est, les matchs ont démarré. On a donc vu deux méthodes pour le service. Le service revers, sous le plexus. L'important, c'est d'aller chercher le plus en avant possible et d'effectuer le geste le plus court possible pour être le plus précis. Pour le service coup droit, il est important d'aller chercher de l'amplitude pour ne pas être gêné par le fauteuil. Voilà, encore merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut !